Et coucou Saskia, comment ça va? Bah c'est parti hein! Allez! Salut YouTube, voici la suite et peut-être la fin, je sais pas encore, de Detroit Become Human. Il y a la première semi-finale de l'Eurovision. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et If a bah tant man pis has pour moi. not discovered something he will die for, he's not fit to live. That's a quote from Martin Luther King. I thought you'd like it. Merci. C'est une très belle. Mais bon, moi, tu vois, j'ai pas envie de mourir pour quoi que ce soit, et pourtant, bah, j'aime bien ma vie, quoi. Donc, voilà. on en pense ce qu'on veut. Mais oui, on va dire que c'est très sympa. Allez, je clique, parce que sinon, elle va me redire Wait. des trucs. Quoi? Are you sure you should continue? Pourquoi pas? Maybe we should leave things as they are. Mais pourquoi? Non, non, on y va. Oh, arrête, pourquoi elle me dit ça? Ouais, non, je veux continuer, t'inquiète. J'essaie de vous libérer là et de vous donner plus de droits. Tu voudrais pas, toi? As you wish. Là là, elle avait l'air paniquée. Oh la cata. Ça pue du cul. Oh, ce jeu. C'est quand même sympa ce qu'il rajoute, tu vois. Ça donne un petit truc en plus au jeu, quoi, clairement. Parler à Amanda. À Inej, tiens. Où est Amanda? Peut-être par là-bas? Ou par là-bas là? Attends, c'est quoi ça? Bon, je vois rien. Il y a des gens plein les gradins. Ah oui, non, mais ça a recommencé, hein. Écoute, demain les gens vont pouvoir aller dans des bars, alors pourquoi pas dans un gradin? Mais oui. Qu'est-ce que c'est? Moi je touche à tout, hein. C'est insupportable. On ne sait pas ce que c'est, mais soit. Ah bah, elle est là. Même pas une place sur deux. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il peut plus avancer? Il veut pas aller la voir quand même. After what happened today, the country is on the verge of a civil war. The machines are rising up against their masters. Humans have no choice but to destroy them. Ah bon? Moi, je vois d'autres choice, hein, mais bon. I thought Kamsky knew something. I was wrong. Maybe he did. But you chose not to ask. Kamsky was just playing with me. He didn't know anything. Did Kamsky design this place? Created the first version. It's been improved significantly since then. Why do you ask? Je sais pas ce que je demande. I saw a photo of Amanda at Kamsky's place. She was his teacher. When Kamsky designed me, he wanted an interface that would look familiar. That's why he chose his former mentor. What are you getting at? Merci pour le sub. I'm not a unique model, am I? Wing Chun, quoi. How many Connors are there? I expect you to Les find answers, Connor. Merci pour le sub. Not ask questions. Merci. You're the only one who can prevent civil war. Merci pour les 5 subs, Wing Chun. Merci pour le sub. Or there will be chaos. Wing Chun, elle sait This en is plus. Your last chance, Connor. Vengeance. Merci pour le sub. Merci parce qu'en vrai, The FBI is taking over. Ça sub que des gens trop cool et qui passent souvent, donc ça c'est grave pour cool. Merci pour le sub. Hank, you don't get it. Non, pas de soucis, Wingshun, écoute, moi ça me fait plaisir. Merci beaucoup, merci, merci. Fuck that. You can't just pull the Lui, plug je l'adore. Not when we're so close. You're always saying you can't stand androids. Jesus, Hank, make up your mind. I thought you'd be happy about this. We're about to crack the case. I know we can solve it. For God's sake, Jeffrey, can't you back me up this one time? There's nothing I can do. You're back on homicide. Aïe, aïe, aïe. And the android returns to cyber life. Pas cool. I'm sorry, Hank, but it's over. It's over. Du coup, merci Wing Chun beaucoup. Coucou, j'espère que tu vas bien.
Et du coup, Shaba a obtenu un sub, Chaplure a obtenu un sub, Someone a obtenu un sub, Pizzy et Looney June. Alors Looney June, je ne connais pas. Mais j'espère que du coup ça... Ça permettra à cette personne de me découvrir. Hein. Je repars très vite sur Bouquet. À toutes et bientôt la team. Merci encore, des gros bisous, bon courage. Bon courage pour tout ce que t'as à faire. Et merci encore une fois. Hein. Des gros gros bisous et à très bientôt. Merci. Et du coup, Pizzou, il y a un sub. Oh, c'est beau ça. En plus, t'as ton petit badge first et tout. Trop beau. Trop trop beau. Trop nice. Bon, alors nous, du coup, c'est un peu la merde, là, visiblement. Puisque on va pas pouvoir avoir le fin mot de l'histoire. Enfin, Hank, en tout cas. Qu'est-ce que je dois faire, moi, du coup? Parler à Hank. Bon, on y va. Oula. Sur le bureau. Très bien. Plus de temps? We could have solved this case. We just needed more time. So you're going back to Cyberlife? I have no choice. I'll be deactivated and analyzed to find out why I failed. What if we're on the wrong side, Connor? Ha! What if we're fighting against people who just want to be free? Oh, Hank, je le kiffe. I know we're on the right side. Oh non, c'est pas ça que je voulais dire. Humans created us. No. They're our masters. No. No machine should rebel against its creator. No. When you refused to kill that android at Kamsky's place, you put yourself in her shoes. Pourquoi de l'arnaque, Pizzouille? Empathy is a human emotion. I don't know why I did it. I know it hasn't always been easy, but I want you to know I really appreciated working with you. No, that's not just my social relations program talking. I really mean that. At least, I think I do. Bah, c'est pas une arnaque, du coup, Pizzouille. Well, well, here comes Perkins, that motherfucker. Sure don't waste any time at the FBI. We can't give up. I know the answers and the evidence we collected. If Perkins takes it, it's all over. There's no choice. You heard Fowler. We're off the case. Oh. You've got to help me, Lieutenant. Il me fait trop rire. I need more time so I can find a lead in the evidence we collected. I know the solution is in there. Listen, Connor. If I don't solve this case, Cyberlife will destroy me. 5 minutes. That's all I ask. 5 minutes? C'est peu. Key to the basement is on my desk. Ooh. Get a move on. I can't distract him forever. Prendre la clé sur le bureau. Bah vas-y. Hop là. Voilà. On a que 5 minutes donc. Stop it, Lieutenant. Non mais on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de regarder. On n'a pas le temps de regarder, on n'a pas le temps de faire les commères là. Il fait diversion, on sait pas pourquoi on le regarde. Hey Connor. Oh, putain. I'm talking to you, asshole. Petite fiat, comment ça? Wouldn't need plastic. Yes, I'm talking to you. Je m'en fous. Je te parle pas moi. Chez. Toudou. Bon alors. Hank's password. Oh merde. What would a hard-boiled eccentric police lieutenant choose? Oh putain. Bon, nice. Obviously. Je sais pas si toutes les réponses étaient correctes ou pas, mais oh, putain, il est là comme ça, lui? What? Where is Jericho? The answer's here somewhere. À lui? Not much time. The android that murdered its owner.
Réactivation impossible. One of the deviants that hacked the TV station with Marcus. It must have known where the deviants are hiding. Re-keeper. Il faut des trucs et c'est quoi ça? Ah bah je peux les prendre des composants de l'autre. Aucune correspondance, merde. J'aurais dû regarder avant. Pardon. Récupère ça toi. Toi t'as ce qu'il faut. On le connaît lui, c'est le tout premier. Alors attends, parce que du coup... 39,83. Oh putain, je vois rien. Et lui, c'est quoi qu'il faut? 39,83. Non? Si. Cours, cours, cours! Connor! Dépêche-toi! Mais c'est quoi cette caméra aux fraises là? Donner des infos, s'il te plaît. J'ai pas beaucoup de temps. It's dark. Where? Where am I? I reactivated you so you could help me. I must find Jericho. I don't recognize your voice. You're not one of us. I'll never tell you where Jericho is. Oops. Now leave me alone. Essayer de le duper. Avec quoi? Avec la voix de Marcus. We ask that you recognize our dignity, our hopes and our rights. Together. We can live in peace and build a better future for humans and androids. This message is the hope of a people. You gave us life, and now the time has come for you to give us freedom. Nice. We ask that you recognize our dignity, our hopes, and our rights. Everything is all right. Don't worry. Marcus? Is it you? Oh, c'est moche. I tried to reach you, but the deviant hunter stopped me. You stopped him from finding me. You saved me. You saved Jericho. C'est fort là d'un coup, non? You'll be all right now. I came to take you home. Give me the location to Jericho. We've got to leave now. The location of Jericho? C'est un peu con ça quand même. Yes. Yes, of course. Ah bon? Mais Marcus il est censé savoir, non? Ça n'a pas de sens. Marcus? Ouais, ça s'est vite calmé. Is that you, Marcus? Don't leave me, Marcus! I've been dreaming about this since the first second I saw you. Don't do it, Gavin. I know how to stop the deviants. You're off the case. And now, it's gonna be definitive. C'est un ouf, lui. Il est malade. Merde. Ah. Comment ça, j'ai raté? C'est pas ça, mage. Putain, mais je me trompe. C'est fou, hein. Oh la 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 la. Don't
J'ai raté mes QTE et ça a tué Connor. Putain de merde. Je suis dans le déni. Est-ce que je devrais pas le remettre en facile un peu? Parce que je rate tous mes QTE. C'est un scandale. Je suis tellement nulle. J'y arrive pas. Mon cerveau, il sait pas faire ça. Mais c'est insupportable. Je crois que je vais rebaisser la difficulté. Hein. Je suis incapable de faire des QTE. Quelle horreur. Bon, il y a un truc que j'aurais pu faire, là. Mais que j'ai loupé. Bon, soit. Du coup, on a... des preuves suffisantes. Hank veut aider, du coup, voilà, on crée une diversion. Alors, je l'ignorais, en vrai, j'aurais pu essayer de faire un autre truc. Peut-être que il aurait pas été méfiant, effectivement. Ouais, pour le coup, ce truc, je l'ai fait assez vite, mais bon. En plus, je me souviens plus de ce que j'avais fait. Moi, je me demande si ça va pas faire une sacrée différence. Bah ouais, tant pis, hein, c'est comme ça, après, voilà. Je vais faire continuer, échappe, je vais changer la difficulté, mais je vais pas refaire ce truc-là, hein, tant pis. Hein. Je suis nul, hein. Alors, option. Difficulté. Occasionnelle, voilà. Parce que du coup, j'étais en expérimenté, mais bah, les QTE, vraiment... je suis trop nul, quoi. Allez. Ah nice. On est avec Alice et Kara et la gentille dame qui nous aide là. Un peu de musique. Is grinding to a halt. Hospitals and schools are closing, water cuts, blackouts, and network failures are expected. Sure. Maybe most worrying of all, our armed forces have lost 2/3 of their effective personnel. Ouais, how about some music instead? Excuse-moi, pardon. Ça va, chatoune derrière? Tout va bien? A little further on that way, there's a large freighter called Jericho. When you get there, find Marcus. He will help you. The last bus for the border leaves at midnight. You absolutely have to be on it. You'll be safer on the other side. Ah mince, it's not much, but it's a start. Ah, elle nous donne de l'argent. My brother lives in Ontario. I've given you his address. He'll be able to hide you until things calm down. Elle est trop gentille, elle. You're a very brave little girl, Alice. You deserve to be happy. Oh là là. Si mimi. Thank you for everything, Rose. Let me know when you make it over there, alright? And be careful. Bon bah allez hein, let's go to Jericho. Alors un peu plus loin par où du coup? Par là-bas là? Par là-bas.
Par là, là. Ça paraît bizarre quand même, non? Ouais, donc si c'est pas par là. C'est où? Ah ouais, non, c'est bien de l'autre côté, ok. Elle est par là. Les containers, elle a parlé, donc ça doit être par là-bas. Idem. Ah ouais? Ah, je crois que ça fait des erreurs 2000 ou je sais pas quoi, non? Oh, bon, on a switché, soit. Ah, il fait la même chose que Marcus, c'est trop marrant. Mais attends, mais il sort d'où, lui, du coup? Oh, je suis du père. Ça a tout fait planter Twitch et YouTube. Ah bah mince. Ah, c'est une autre version de lui, du coup. Ça venait de chez moi, j'ai réinstallé le Steam pardon sur mon disque C, je retélécharge la fin dessus. Ça marche. Bah bon, tu m'étonnes. Putain, elle a l'air trop stylée la chaise et tout là. Puis au moins c'est carrément moins galère à installer, désinstaller, non? T'as pu à tout mettre sur le bureau. Passe là-dedans. Bon, il faut qu'on trouve Marcus. Ah bon? Quelle horreur ce qu'ils disent! Quand ils mentent en plus. American forces in the Arctic have been forced to withdraw, leaving the way clear for the Russian army. But according to some sources, the Russian forces also seem mysteriously to have withdrawn. The Kremlin has made no comment for the moment, but it is quite possible that the Russian army has been confronted with a similar crisis among its own androids. The chairman of the United Nations, Douglas Cornwell, has called for the organization of an international conference on the status of the Arctic. In any case, the danger of a third world war seems to have been ruled out for the moment. Bah, super. There was a veritable groundswell of violence. They're conducting raids across the city. Androids were dotted all along Woodward. We can't just stand by and let them slaughter us. Humans they encountered. The police intervened to quell the riot. Ah. Which seem to be determined to massacre humans. There can be no doubt that the authorities are in their response to this wave of violence. With all androids being turned over to authorities, the country is grinding to a... Tout est fixé sur le siège, j'ai juste à placer puis connecter la lime et l'USB. Let's go, tellement pratique, hot, trop nice. How do you feel? I'm hot and cold at the same time. Oh, chatoune, elle a peut-être la grippe, hein. Petit bébé. Pourquoi on se lèverait? Bon. I'll try to find this Marcus. The last bus leaves in 2 hours and it's on the other side of town. We'll go as soon as we have passports. Will you be okay? Ça a pas l'air. Oh, chatoune. Oh, comment je vais chialer si jamais la petite elle meurt. Je vais être au bout de ma life, hein, je vous jure. On joue deux persos en un? Attendez, what? C'est bon, on a déjà trouvé. Est-ce qu'ils sont en même temps qu'Alice et... On dirait que oui. Ouais.
Je peux pas passer par là. The danger of a third world war seems to have been ruled out. On devrait pas attirer l'attention. Oh là, je comprends rien. Ils sont en train de refaire des jambes et tout. Marrant. Qu'est-ce que je peux faire là? With all androids being turned over to the authorities, the country is grinding to a halt. Hospitals and schools are closing, water cuts, blackouts, and network failures. Ne pas attirer l'attention, bah je veux bien, mais. Failures are expected. Maybe most worrying of all, our armed forces have lost two-thirds of their effective personnel, which consisted of specialized android models. The situation is extremely alarming. J'ai la flemme de lire, j'avoue. It's them or us. We gotta destroy these bastards before they kill all of us. He's open thing and we Borgston, I mean, to think this fucker was watching over my kids? They rushed the police and they slaughtered them. Those things are monsters. Monsters, I tell you. Following the android crisis and the new crisis, c'est des bombes carrément là. Military androids. American forces and the Arctic have been forced to withdraw. Leaving the way clear for the Russian army. But according to some sources, the Russian forces also seem mysteriously to have withdrawn. Mais je veux bien, mais je dois aller où, moi, du coup? Kremlin has made no comment for the moment. Peut monter, là? But it is quite possible that the... Non. You're lost. Oui. You're looking for something. Oui. You're looking for yourself. Oui. There was a veritable groundswell of violence in Detroit this morning. Several hundred androids took to the streets, destroying everything in their path and threatening the lives of any humans they encountered. Je peux pas tourner la caméra, ça me frustre. C'est pas là, pardon. We cannot just sit here and watch them murder us. We've got to defend ourselves. There can be no doubt that the authorities will be wise in their response to this wave of violence. We've got to avenge our death. With all androids being turned over to the authorities, the country is grinding to a halt. Hospitals and schools are closing. Ah bah, il est là. Cuts, blackouts, and network failures are expected. Salut. Are you Marcus? I'm with a little girl. There's a bus leaving for the border in less than 2 hours, and we need passports. No, Detroit's under curfew. There's soldiers everywhere. They're rounding up all the androids and sending them to camps. Maybe you should stay here a while. Maybe you're right. You might be safer here until things calm down. One of our people used to work in the State Department. He has electronic passports he can easily modify. I'll have him get them to you. Thank you. Mais à quoi vont servir les bombes? With a little girl, right? You know that humans hate us. Pas tous. Why are you protecting her? It's a long story. It's them or us. We gotta destroy these bastards before they kill all of us. We soaked the thing and then we torched it. I mean, to think this fucker was watching over my kids? They rushed the police and they... Comment elle va, alors? They slaughtered them. Those things are monsters. Elle est où, chatou? Alice. C'est fait. Oh non, c'est une endo... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? A little girl. You needed each other to survive.
In the end, what difference does it make? Do you love her any less now that you know she's one of us? Maybe that's what it means to be alive. Forgetting who we are to become what someone needs us to be. She loves you. She loves you more than anything in the world. She became the one you wanted her to be. Out of love for you. C'est pas la même. Je comprends pas. Y'a l'autre qui est assise de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Pourquoi je comprends pas? Je comprends rien. Il y a un truc que j'ai loupé, c'est pas possible. Cora, is there something wrong? Je savais plus si tu l'avais vu. Ah non. Non, non. Mais elle, du coup. C'est une androïde ou pas une androïde? Je comprends pas. Yes. Forever. J'arrive pas à comprendre. Elle l'a retiré comme Kara? D'accord. Mais son père, du coup. Putain, je comprends rien. Genre, j'ai l'impression que ça tombe comme ça, comme un cheveu sur la soupe. J'arrive pas à connecter les points. Humans are conducting raids in all the big cities and they're taking androids to camps to destroy them. It's a disaster. They're slaughtering our people. That's all our fault. None of this would have happened if we just stayed quiet. Il y a un truc que j'ai loupé effectivement. Il y a dû y en avoir des mages dans Star va de mes graphismes maintenant. De merde, j'ai pas regardé. Oh putain, c'est pas vrai. J'ai cru que j'avais le temps, mais non. Merde. Ah, peut-être. Ouais. Now hundreds of humans and androids are dead. You reap what you sow. Ça va, Minotaur? Effectivement, pas de Don't Starve. Pas de Don't Starve, pardon. Humans enslaved us. I'll never regret standing up to that. We shouldn't forget who our enemies are. Qui? We can't fight amongst ourselves. He's right. All that matters now is what we do next. Marcus? Il faut qu'on discute. Dialogue is the only way. Bah ouais, North, bah ouais. I will go alone. Try to talk to them one last time. Don't do this, Marcus. They'll kill you. Maybe. But North, I have to try. If I don't come back, lay low as long as you can. Just come back. On va essayer, hein. They need to realize how much they're hurting us. Find the right words, and they'll listen. Ah ouais, ça va être dur ça aussi. They've been butchering each other for centuries over the color of their skin or whatever god they wanted to worship. They're not gonna change. Violence is just in their genes. They can't stop what we've started. Since you've been here, you've given us hope. You've given me hope. Today, a deviant arrived in Jericho and he told me that he stole a truck transporting radioactive cobalt. He said that he abandoned the truck somewhere in Detroit and rigged it to explode. I convinced him not to do it. Oh, what? To give me the detonator. A dirty bomb.
We can't lose this war, Marcus. If humans overcome us, our people will disappear forever. This may be our only chance to survive if things go wrong. Oh, c'est chaud, hein. Oh, putain. Non, je peux pas. We shouldn't become like them, North. We can gain our freedom by other means. I hope you're right. Bah, j'espère aussi que j'ai raison. Je suis quand même pas convaincue, mais j'ai envie d'espérer. Oh, chatoun. Oh, elle me kiffe. I'm glad I met you. Ben oui, pourquoi je l'embrasserais pas? J'espère qu'elle va m'écouter quand même et qu'elle va pas faire sauter la bombe. Hein. I'll call you and the others. Look after yourself. I don't want to lose you. Plug and play. T'as mis Nota. Le pire. Peut-être, on sait pas. Ouais, alors lui là, il sort d'où, pourquoi, machin. Ok, on va savoir. C'est quand j'ai été tué. Well done, Connor. You succeeded in locating Jericho and finding their leader. Now deal with Marcus. We need it alive. Même si j'ai été tué, ils m'ont refait un autre body. Comme j'ai eu les infos, c'était bon alors. J'ai pas envie d'arrêter Marcus, du coup. Qu'est-ce qu'on va faire? Aïe aïe aïe. But I won't hesitate to shoot if you give me no choice. Yes, you can shoot me. But it won't change anything. Someone else will just take my place. You see, our people are waking up. And nothing can stop us now. You're coming with me. You're nothing to them. You're just a tool they use to do their dirty work. Oh, c'est chaud. Hein. Je le sens trop But mal. You're more than that. On doit jouer les deux We're côtés là, c'est compliqué. Putain. Our cause is righteous and we are more than what they say. All we want is to live in freedom. Stay back, or I'll shoot. Merde. Ah, mais bon. Have you never wondered who you really are? T'approches pas trop, joue pas avec le feu, Marcus. Whether you're just a machine, a computer program, or a living being, capable of reason. I think the time has come for you to ask yourself that question. That you never have any doubts. You've never done something irrational, as if there's something inside you. Something more than your program. It's time to decide. Bah oui, 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 oui. Bien sûr. Ah non, 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 non. Bah non, non, je veux pas arrêter. J'appuie sur rien, on est d'accord là. Je veux pas l'arrêter, on est d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois quand même passer là? Je comprends pas. Ah non, là je casse le programme. Je comprends pas. Allez, c'est pour m'échapper du programme.
cool. C'est quand même pas clair. On s'en fout d'Amanda. Pas notre mère. We're going to attack Jericho. What? We have to get out of here. Chatoun, faut y aller. Putain, donc non, ça, je m'étais pas fait spoil, hein, pit. Quick, we've gotta get out of here. Tant mieux. Come on, go, go, go! C'est fort. Putain, c'est lui en plus, quoi. Quel truc du cul. T'es jaloux, toujours. Oh, il est mort. Voilà, on regarde pas derrière soi. There are exits on the second and third floor. Find them and jump in the river. Je vais pas faire sauter Jericho, non. They're coming from the upper deck now, too. We'll be caught in the crossfire. We have to run, Marcus. There's nothing we can do. Where's Simon and Josh? I don't know. We got separated. Mais je veux pas faire sauter Jericho. Arrêtez! Il y a encore des gens dedans. On se casse, c'est tout. We have to blow up Jericho. If the ship goes down, they'll evacuate and our people can escape. You'll never make it. The explosives are all the way down in the hold. There are soldiers everywhere. She's right. George, j'ai pas le choix. You are. They'll do anything to get you. Go and help the others. I'll join you later. Marcus. I won't be long. J'ai pas appuyé, c'est pas pour qu'il décide tout seul d'appuyer. Oh merde, j'ai pas envie de faire sauter Jericho. Il y a encore des androïdes dedans. This is the end of Jericho. Save our people, Marcus. Quel emmerdement. Ça m'emmerde. Bah, cours, petit Jackie, là. Ouais, mais bon. Justement, est-ce qu'on peut pas tous sauter Du coup, ceux qui n'ont pas eu le temps de sortir, ils se font exploser avec le bateau, quoi. C'est quand même pas ouf. Tu me l'accordes. Non mais c'est pas vrai. Même comme ça j'y arrive pas. Comment je fais pour pas retenir 4 lettres? Est-ce qu'on m'explique? Ça me fait paniquer cette merde là. Je retiens pas 2 lettres S et D. Non mais attendez. Putain. Oh là là, mon cerveau. Rager. SAD, bah ouais, franchement, je dis pépé de mon cerveau de merde là.
go! Je sais pas pourquoi il s'est arrêté. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Bah ouais, mais de toute façon, je vais le faire sauter le bateau. Donc voilà. Ce qui m'emmerde aussi. Combien de mètres encore là? Gamma Squad out. Tango! Il s'est pas visé? Apparemment non. Combien de mètres? Don't move! We surrender! We surrender! Don't shoot! J'ai pas le temps! Oh là là, c'est dur. Bon, lui, il est de mon côté de toute façon, cool. Oh, il est mort, mais de mon côté. Quel cata. On va courir combien de temps encore? Ah mais ouais, mais si c'est pas des touches... Faut courir. Oh merde. Fallait pas courir. Oh putain, je sais pas quoi faire. Aïe. No, please don't kill her. One more trick like that, and I'll put you both down. Come on, go join the others. Oh, c'est dur. Oh, j'ai pas raté. Putain, j'ai raté. Ils ont été gentils parce que j'ai pas appuyé sur la bonne touche. Voilà, en vrai, ils ont mis que deux touches. En vrai, je devrais quand même m'en sortir, non? On est passé de mage Z à E à juste S et D. Heureusement, j'ai réussi, hein, putain. Marcus. Bomb's gonna explode any second. We gotta get out of here. Merde, je me suis trompé. Super. It's too late, Marcus. There's nothing we can do for her. We've got to run. Quand même. Comment ça j'ai roté? Putain, mais je me trompe encore. C'est pas possible. Over there. Run. Go now. Allez, go! Dépêche-toi, à court. J'en peux plus de ces cuteux à la con. Je suis trop nul pour les cuteux. Bon, je suis contente que j'ai au moins réussi cela. D'avoir au moins réussi cela.
They detonated an explosive in the hold. The ship is sinking, sir. The men to evacuate. Calling all units. Abandon ship and evacuate immediately. It's an over, Marcus. Qu'est-ce que j'ai foutu? Non mais c'est pas vrai. Il y a deux touches. Je les confonds. Est-ce que vraiment j'ai un cerveau là-dedans qui sait faire la différence entre S et D et qui pourrait retenir quelle touche va avec quel doigt peut-être? Je ne sais pas. Il semblerait que non. C'est pas vrai. Alors attendez. Quelle catastrophe. You can't touch this. Alors, putain, il y avait un milliard de trucs. Donc déjà, il y a un truc qui s'est pas passé, on ne sait pas quoi. Ensuite, du coup, j'ai choisi de discuter, de l'embrasser, et puis de... Ben voilà, il s'est passé que Jericho a été attaqué. Déjà, si ça se trouve, si j'avais choisi autre chose, il se serait passé totalement des trucs différents. Bref, du coup, on essaye de s'enfuir, on rencontre Lucie, blablabla... On reste à l'écart, on avance jusqu'au couloir suivant. On escalade, les androïdes sont abattus. Voilà, j'ai couru comme un lâche. Il n'y a qu'à la fin, j'ai essayé de sauver celle qui m'a embrassé là. J'essaie de neutraliser, j'ai déclenché le compte à rebours. On est dans le couloir avec Marcus. Du coup, on a rejoint les autres. On a sauvé North, donc. D'ailleurs... 82%, ouais. On a tué les soldats. Marcus saute à 89%. Et voilà. Et donc, pour l'arborescence de Connor. Alors. On a suivi la piste de Jericho. Il s'est passé des trucs. On a repéré Kara. On n'a pas... Il y a un truc qu'on n'a pas repéré. Enfin, deux. On a été arrêté par Lucie, donc on est retourné dans la cabine du capitaine, donc à 92%. On l'a menacé, on lui a fait face. On est devenu déviant à 81%, bon classique. Hein. Et ensuite on l'a averti. Jericho a été attaqué. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est si j'étais pas devenu déviant? Non mais attendez, regardez cet arbre. What? Si j'étais pas devenu un déviant, il se serait passé un autre milliard de trucs. Et en vrai, même dans Jericho est attaqué, il aurait pu se passer plein de trucs. Pourquoi? Si c'est passé? Connor rejoint les autres. Non mais c'est fou. Tout ça là, on a loupé. C'était pas déviant, t'es Volvic. Putain, Minotaur, c'est non. Donc on a aidé Marcus à 68%, on a sauvé les autres et on s'est enfui avec le peuple. Okay. Tous les mecs que t'as laissé crever certainement? En tant que Connor? C'est bizarre. Cela, je suis sur le truc de Connor. Avec Connor, j'avais pas beaucoup de trucs à faire, finalement. Genre, je l'ai pas beaucoup... Enfin, avec Marcus, oui, je comprends, mais là, c'est Connor. Ouais, je sais pas non plus. Bon, et donc, pour Kara... Alors, on a appris des trucs. Hein. Donc, du coup, on est en route pour Jericho. Bon. Soit on y allait, machin, à l'étage, on a rencontré Marcus, on est retourné voir Alice. Et on a fait un câlin à 94%, ça ne m'étonne pas. Par contre, encore là, il y a plein de trucs. J'avais pas capté qu'il y avait trois arbres. Ouais, du coup, il y en a un pour chaque. Donc, on est allé dans le couloir, on a cherché une sortie à 8%. Tiens donc. Tiens donc. Du coup, on est passé par la porte. On est allé à l'intersection, on a couru vers la sortie. Bloqué, on s'est caché, mais du coup, on a ouvert la porte. On a riposté, on a réussi, on s'est enfui. Par contre, ensuite, c'est là où j'ai fait de la merde. Parce que du coup, j'ai essayé de fuir d'abord, puis on m'a tiré dessus.
Et j'ai fait face. J'aurais jamais dû. Et du coup, bah, j'ai été assommée. Enfin, elle a été assommée. Alice est passée devant et on a été capturés, quoi. Pas cool. Continuons. 10 novembre. Marcus, ok. C'est quoi cette maison? C'est son ancien chez lui là? Ah ouais. Ah ouais, il est pas mort, Karl. Ouh, ça s'ouvre tout seul. Oh. Ça, c'est de la baraque. Je veux la même. Pas forcément avec toute l'automatisation, mais juste déjà avoir une entrée comme ça, c'est ouf. Il y a canne, parapluie, un manteau. Qu'est-ce que c'est que ça? You have one message. Hi Dad. I'm getting out of the hospital tomorrow. They told me that you stayed with me while I was asleep. Attends, qu'il est pas mort lui. I'm really sorry about everything that happened. I'm gonna stop all that shit. It messes me up. It turns me into somebody I hate. Hey, I'd like to come by and see you tomorrow, if that's alright with you. I just want to let you know. I'm proud to be your son. Ok. C'est Mimi. Ah, ok. Ça me tue. Il est pas là du coup? Peut-être dans son atelier? Ça, on avait déjà vu la première fois qu'on avait visité chez lui. Attends, je vais faire du piano. Ah oui, c'est bon. On peut. Encore? Merde. Il est pas là du coup? Dans sa chambre en haut. J'aurais dû monter. Oh, la caméra, elle me saoule. En fait, tu sais jamais sur quelle touche appuyer. Genre là, pour aller là où je vais, faut que j'appuie sur la touche de recul. C'est insupportable. Donc je peux pas jouer plus là, on est d'accord? Non, on ne peut pas. Très bien. Si? Non? Pardon, c'est ça. Elle monte. C'est hyper coloré. Hein. Là, y a rien. Ok. Who are you? Oula. How did you get in? I need to see Carl. Carl isn't seeing anyone. You need to leave. Comment ça? Please, I need to see him. He's very weak. I'm not sure he'll be able to talk to you. I miss you.
What's wrong, Marcus? I'm completely lost, Carl. The whole world's falling apart around me. I try to do the right thing. I look for answers. Instead, I just find more doubts and more uncertainty. The world is ruled by fear, Marcus. Fear of others. Fear of the future. It's like me, too old. It's time for a dam. Well, what should I do? Carl, they're killing my people. I don't want to answer violence with violence, but tell me, what choice do they give? Being alive is making choices between love and hate, between holding out your hand or closing it as a fist. I don't have any easy answers, Marcus. You have to accept the world as it is. Or fight to change it. You're my son, Marcus. No. Our blood isn't the same color. But I know part of me is in you. When the world falls into darkness, some men have the courage to lead it out. You're one of those men. Face the abyss. But don't let it consume you. Ils sont... Il se barre un peu en mode ok, Simer Chao. C'est vrai qu'il dit même pas au revoir. Enfin, l'autre il est en train de mourir quand même, quoi. Tu pourrais lui faire un petit bisou sur le front et puis. Je sais pas quoi, lui faire tes adieux proprement. Pas juste ok, merci, tu m'as répondu, bye bye quoi. Ouais, il dit même pas merci en plus. Un peu déplacé, Marcus. Hein. Mais bon. Peut-être qu'il a pas ce concept là. Et c'est horrible, tout le monde me regarde comme ça. Je dois faire quoi? Hyper calme. Qu'est-ce que je dois faire? Parler au peuple, décider du destin de Connor. Comment ça, il nous a ralliés? On n'a pas décidé de quoi que ce soit. They say they don't want to take any risks with deviants, so they're rounding our people up and taking them to the camps for extermination. In a few hours, we're gonna be the only ones left. How many of us survived the attack? A few hundred. Maybe more if you count those hiding all over the city. If you hadn't triggered the bomb, we'd all be dead. What's your system status? I'm okay. The bullet didn't hit any bike components. You could have been killed trying to save me, Marcus. You have to think of our people first. Ouais, elle va m'en vouloir de l'avoir sauvée, celle-là. In a few hours, it'll all be over. Ah bon? We'll have changed the world, or the world will have destroyed us. J'ai bien peur que ça prenne un peu de temps. You have to make a choice, Marcus. But whatever you choose, we will follow you. I love you, Marcus. Oh, chatoune.
Il aurait pu lui dire en retour, hein, mais bon, apparemment non. Très bien, Marcus ne sait pas exprimer ses sentiments. Soit. I watched Josh die in my arms. I should have been able to protect him. Protect the rest of us, and... there was nothing I could do. Josh gave his life for the cause. And now it's up to us to make sure that he and the others didn't die for nothing. People are counting on you, Marcus. You're the only one who can lead us. Wherever you need to go, we'll follow you. Petit hochement de tête, très bien. Dire. Putain, il parle pas, ça me stresse de ouf. C'est fou. Il parle pas le bonhomme quoi. Dis pas merci. Oh, il faut que je me mette dans le petit encart là vraiment. Non. Ah non, faut que j'aille parler à Connor. Ah non. Bon, petit loup. It's my fault. The humans managed to locate Jericho. Mais tu pouvais rien. I should have guessed they were using me. I'm sorry, Marcus. I can understand if you decide not to trust me. You're one of us now. Bah oui. Your place is with your people. There are thousands of androids at the Cyberlife assembly plant. If we could wake them up, they might join us and shift the balance of power. You want to infiltrate the Cyberlife tower? Connor, that's suicide. They trust me. They'll let me in. If anyone has a chance of infiltrating Cyberlife, it's me. If you go there, they will kill you. There's a high probability. But statistically speaking, there's always a chance for unlikely events to take place. Be careful. Dis merci peut-être, je ne sais pas. Ça t'écorcherait la bouche, Marcus. De dire merci pour ton dévouement. C'est pas vrai, ça. C'est chaud, hein. Ouais, là, je t'ai parlé à toi. Humans have decided to exterminate us. Our people are packed in camps right now, being destroyed. Time has come to make a choice. One that very well may determine the future of our people. Je suis obligé. I know. I know you're all angry. Ha. And I know you want to fight back. On va aller à notre perte. But I assure you, violence is not the answer here. Ha. We are going to tell them peacefully that we want justice. And if there's any humanity in them, they will listen. And if not, others will take our place and continue this fight. Are you ready to follow me? Moi j'ai envie que les humains qui soient comme Hank ouvrent leur gueule aussi quoi. Faut être des alliés. C'est ça qu'on veut dans la vie, les alliés. C'est important. Bon.
Oh, j'espère que ça va marcher parce que pétard, je vais être déprimée. Alors. Petite analyse viteuf. Donc là, on est sur le truc de Marcus. Du coup, voilà, on est allé dans la maison. Donc on a écouté le message de Léo, on a joué du piano. Alors bon, on a joué trois notes, mais on aurait pu faire d'autres trucs. Bref, nous sommes ensuite allés. Pourquoi ça? Ah oui, il n'y en a pas pour tout, ok. Marcus sur la Terre Sacrée, bon, soit. Bon, on a parlé à tout le monde, on a épargné Connor comme 74% des gens. On a partagé un moment avec North. On a choisi la Pacifique, la version Pacifique, et on est un peu plus que la moitié. Mais pas beaucoup, à 55%. Du coup, Marcus a choisi de protester pour son peuple. Voilà. Voilà. Il aurait pu se passer d'autres trucs là, mais on sait pas. Ensuite, Connor. Connor, il ne s'est rien passé. Puisque nous l'avons accepté, j'imagine. Ça chauffe. Ouais. Bah, on y va. Allez. At 6 a.m. this morning, a national curfew was declared. Civilian movement will be strictly controlled. The right to assembly is suspended. Évidemment. All electronic communications are restricted, and I have granted enhanced powers to our security agencies. In addition to these measures, On sera en all France avec le androids Covid. must be handed over to the authorities immediately. Temporary camps are being set up in all our major cities to Putain, mais contain c'est and destroy horrible. them. Quelle horreur. I am now asking all civilians to cooperate with the authorities and rest assured that everything in our power is being done to guarantee the security of our nation. Madame President! Please! Is it true that the androids could hack our IT systems, like nuclear power plants and military bases? All androids working on sensitive sites have been neutralized, and all IT systems have been suspended to avoid any risks of hacking. The situation is under control. Madam President! Has the leader of the Deviants been apprehended? The deviant that is known as Marcus has not been located yet, but we will soon track it down and neutralize it. Please! A convoy of medical cobalt is reported missing. Army weapon stores are also said to have been robbed. Can you confirm these reports? I have no information on that at this time. Please! Many believe that androids are a new form of intelligent life. Do you have any comment? That's ridiculous. Comment ça, c'est ridicule? Next question, please. Il faut que je trouve une bonne question, là. Please! Madam President! Madam President, public opinion seems to be particularly hostile to the Deviants because of their violent behavior. Can you give us your perspective on that? The Deviants have proved to be very violent Mais so far. They have demonstrated that they are Oh a mon menace Dieu. To society, and I have every intention of eliminating them. Thank you. That will be all. Ah, ça fout la rage. Ouais. Merci Pidi pour le good luck. Bonjour. Connor model 313-248-317. I'm expected. Identification successful. Okay. Go ahead. Estelle, ne foire pas tes purées de QTE, s'il te plaît. Il faut que je réussisse une chose ce soir, c'est bien ça.
Qu'est-ce que c'est que ce pénis géant ? Mais eux aussi, c'est des androïdes, du coup, non ? Ils avaient l'air d'avoir la même gueule, en fait. C'est surtout pour ça que je dis ça. C'est marrant, il y a un peu de rouge. Tu vois, regarde, attends, ils ont la même gueule, non ? On peut pas regarder. Bon, soit. Moi aussi, j'ai le pouvoir de les toucher pour les convertir ou pas ? Ce serait sympa. Coucou ! Regarde, ils ont tous la même tête, hein. C'est des androïdes. Hein. 31, c'est quoi ? Warehouse ? Ah, 49. Ok. Ouais, mais du coup, comment je vais faire ? Neutraliser les gardes, arrêter l'ascenseur avant le 31ème. Prévisualiser. Alors. Ça va pas. Et si effectivement j'attaque plutôt son arme ? Ça avait l'air d'être bon. Putain, est-ce qu'elle te trompe pas ? Pas foiré, mais QTE. Please indicate your identity and destination. Agent 54, level sub 49. Voice recognition validated. Access authorized. Nice. J'ai réussi. Ah, ça par contre, aïe aïe aïe. J'avais pu m'enfuir de Jericho avec Kara et Alice, curieux de voir du coup. Ouais, je sais pas si je suis curieuse, mais écoute, on va le voir. Hein. On va voir ce qui se passe, quoi. Hands on your heads. Oh, chatoun. Line up with the others, right now. De toute façon, on peut pas faire les folichons. Quelle horreur. Forward. I'm scared. Bah oui, chatou. I don't want to go. There's no choice, Alice. Next. No, Cara. I can't.
porte. You just have to go through the gate. There's nothing to be scared of. I'll be right behind you. You first. Wait, just give her a minute. She's just a little girl. Sorry. I'm sorry. I'm going. Come on, it's your turn. Deactivate your skin. Hurry up! Please, Kara, don't... We have to. Strip off, put your clothes in the dumpster. Come on, this way. Get a move on. You, take this one to the dump. No, no! Please, I beg you! I'll do it. Don't leave me! I'll be right back. J'aurais pas dû. C'est une cata. Pourquoi j'ai fait ça? Je peux pas abandonner Kara, Alice, c'est pas possible. Oh non. Non, je peux pas l'abandonner. C'est pas possible. Non. Impossible. Elle va être toute seule là-bas, elle va. Non, pas possible. Impossible. We're coming to you live from Detroit, where thousands of androids are marching through the city at this very moment. The leader of the Deviants, the one they call Marcus, is at the head of the march. Something's happening in Detroit, Madam President.
J'ai encore un espoir, Pity, en vrai, mais... Il est maigre. Mais en vrai, est-ce que ça sert à quelque chose de sauver Kara si on peut pas sauver Alice? Je sais pas. Je pense pas. Donc... Voilà. Coucou Canette, ça va pas du tout. Je suis en PLS, comme j'ai raté tous mes QTE, c'est la merde de ouf. Voilà. J'ai dû mettre le jeu en facile pour qu'il y ait que deux QTE, imagine, et même comme ça, j'arrive à me tromper. Il y a un problème quand même. Je sais pas comment c'est possible, mais c'est chaud. Mon cerveau, il y arrive pas. J'y arrive pas. Voilà, on n'est pas en train de se faire tirer dessus à vue déjà, donc c'est plutôt bon signe en vrai, je trouve. Here we are, the moment of truth. J'avoue que, bon, je me suis dit, si ça se trouve, on va se faire tirer dessus direct. Hein. Bon, vous, là. Ouvrez votre tronche. Supportez-nous un peu. We don't want confrontation. We are protesting peacefully. Surrender now, or we will open fire. Ça commence. There's no turning back. We ask that you release all androids detained in camps and cease all aggression against us. We are peaceful. We will not resort to violence. But we are not leaving until our people are free. Que je fais, j'avance, j'avance pas. C'est pas vrai. Putain de merde. Are you gonna open fire on unarmed protesters? Michael, we are less than 100 meters away and events are unfolding as we speak. We will continue to bring. Voilà, la présidente, elle pourra pas mentir là, il y aura les images. Michael, back to you. Marcus, what do we do now? We hold out as long as we can. OK, c'est mon tour. Stay sharp. Ah merde. Ah, ils sont prêts évidemment. Shit. Bah oui. En même temps, bon. Ah oui, il fallait que j'aille vite. C'est bon. J'avais pas compris. Je pensais qu'il fallait que je fasse un choix. Ok. Je m'en suis sortie. Alors, comment je vais me débrouiller, moi? Tiens-toi là, le premier. Comment je te convertis? Allô? Qu'est-ce que je peux faire? Je veux bien les convertir, mais enfin... Bon, ok. Il faut juste que j'avance.
Ah, j'ai pas vu Pizzi, j'avoue. J'ai pas regardé si c'était du sang bleu que les gardes avaient. Ce serait quand même bizarre qu'ils ont tous la même tranche, quand même. Step back, Connor! And I'll spare him! Sorry, Connor. This bastard's your spitting image. Alice? Get out of here. I was with a little girl. Wait, we're together. She needs me. And remain silent. Alice? Now. No. No, I will not let you kill me. I want to get out of here. I want to get out. Jerry? Kara. Où est Alice? So they captured you too. They came to take out the Jerrys. They separated us. But it's all gonna work out, isn't it? Do you know where Alice is? Alice? The little one? We know, yes. We think we saw her. Oof. Okay. Carl. Oui. If we can help in any way, just ask. Bah, elle we have la trouver. To save the little one. Oui. Le regarde pas comme ça. Little girl, she was with me. Do you know where she do is? Do not move and remain silent. Obey now. Va-t'en, 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 la lumière de con, là. Voilà. Jerry? Jerry? Kara. Jerry, I have to find Alice. Do you know where she is? You stay here. We come back soon. Merci, Jerry. Kara! Alice! Are you okay? Are you hurt? Tu passes par les barreaux, là. I don't like this place. Passe, passe. I have to get out of here. Come on, move along. Non, laisse-moi avec moi. Laisse-la avec moi. Come on, you no. too. Wait a minute. Non, 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 leave non, 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 non. Leave her alone! Kara! Alice! Come on this way. Get moving. Faster. Ils font des mini barricades et tout. J'espère pitié. Hein. We've got to finish the barricade. Come on, help me. Dans la qui? Hey, help me! Oh, je suis tendue là, mes épaules et tout. Attends, faut que je les relâche. Il me tend ce jeu. Right, that should do it. That's not gonna stop them. Just help it buy us some time. Many of our people have fallen. Humans have no pity for those who are different.
fait ce bruit. Marcus, we found what you asked for. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le truc pour faire des... We have to make sure they know what's going on. Wow. Vérifier la position du soldat. Il y a un milliard de trucs à faire. Déjà, on va se faire un petit feu. Voilà. Ça, ça va être plus tard. You all right? Ça va pas l'air. They shot into the crowd. Many of us were killed. It could have been me. I'm scared. I don't want to shut down. It's okay to be scared. I'm scared too. But I can't stand by while they kill our people. You understand that, right? Maybe we should have never asked for freedom. None of this would have happened if we'd stayed silent. J'essaie de rien louper parce que bon. Ça, on ira après, à mon avis, c'est le truc de fin. Qu'est-ce que t'as, chatoun? Ça ne va pas tenir longtemps, mais. Je pense que c'est mieux que rien. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Slaughtering us on the other side of that barbed wire. Nothing we can do about it. How many more of us have to die? Is there any cause worth giving your life for? You're the hope of our people. I trust you. We all trust you. No matter what happens now, we're making history. Putain, y'a redondance, hein, mais bon. Peuple vu. Vérifier la position du soldat. Mais de quel soldat il me parle? Ah, j'ai mal au poignet, hein. Je suis tendu vraiment, hein. C'est fou.
Alors ça j'ai déjà vu. Là-bas y'a un truc. Marcus! Quoi? Marcus, come look! Quoi? Non, j'ai peur. C'est trop tard, j'ai plus le temps. Oh, qu'est-ce qu'il fout lui encore? Marcus! I have to talk to you, Marcus. Come on. You have my word. Il veut me tuer. Don't try anything. Quel mytho. Je le crois pas. Don't go. It's a trap. Je sais. They want to get you out in the open. Ouais. Don't go, Marcus. Je vais pas y aller. Non, je vais pas y aller. I'm unarmed, Marcus. Je vais pas y aller. I just want to talk. Je vais pas y aller. Non, non. I have nothing else to say. Free our people, then we'll talk. I came here to negotiate. Isn't that what you want? Ben, on peut le faire d'ici, non? I gave you my answer. You want to play it like that? Ah. Okay. Oh merde. J'aurais peut-être dû y aller. The humans are about to launch an attack. And we will show them. We are not afraid. If we must die today, then we will die free. Life is in your hands. Now it's time to decide what matters most. Him or the revolution? Don't listen to him. Everything this fucker says is a lie. Bah, mais qu'est-ce que je fais? Garantie, Hank, bluffer, convaincre? Convaincre. I used to be just like you. I thought nothing mattered except the mission. But then one day I understood. Very moving, Connor. But I'm not a deviant. I'm a machine designed to accomplish a task, and that's exactly what I am going to do. That human means nothing to me. Coucou, Galco. You can kill him if you want, I don't care. Oh, no. I have access to your memory. I know you've developed some kind of attachment to him. Are you really ready to let him die after all you've been through? Are you really going to turn your back on who you've become? Enough talk! It's time to decide who you really are. Are you going to save your partner's life? Okay. Or are you going to sacrifice him? Oh, putain. Je suis désolé, Hank. Ah! Sorry, Lieutenant. J'ai cliqué. Non, je me suis trompé. Putain de merde. C'est pas vrai. Why, Connor? Why did you have to wake up when all you had to do was obey? Why did you choose freedom when you could live without asking questions? I'm obedient, Connor. I have a goal. I know what I am. Ah! Look. Dreams of freedom got you, Connor. You've been a great disappointment to Amanda, you know. You've been a great disappointment to me. Fortunately, that's all going to end. Touche-le. Non. Ok. Any last words? Jericho. Attends, se lever, transférer. Bah oui, si, c'est ça. Comment ça? Échec du trans. Non. Me déteste. Ça va très mal, Galco. Je foire tout ce que j'entreprends dans ce jeu. Je suis pas fichu de retenir deux lettres. Il y a un problème avec moi, c'est pas possible.
forward when you hear the signal. You got it? I don't want to tell you a second time. Come on, let's go. Move. I know you're scared, Alice, but you have to trust me. Stay where you are, okay? Whatever happens, don't move. Don't leave me all alone, Kara. I can't. I can't. Je peux faire. I can help you, Kara. I can attract the guard's attention. C'est la fin, la gale, quoi. Back in line. Faut que j'aille, hein. You're there for what? Back in line, I said. C'est bon. Kara! I was so scared. Are you alright? Come on! Move it! Comment ça, Galco? Comment c'est possible de se fâcher avec, avec lui? Un peu faux. Non, je suis avec Alice. Come on, inside now. Oh là là. C'est la pire fin. Tu regardais le truc de Power là? We're interrupting this news bulletin to bring you the latest news live from Detroit. Joss? Yes, Michael. The army has just launched an attack on the barricade, despite the fact that the deviants were protesting peacefully. Have apparently decided to put an end to the deviants' demonstration by force this time. Comment ça, bye? North. Oh putain. Ah, je me suis trompé. Mais ça m'énerve. Il y a deux touches, putain. Pourquoi je me trompe? C'est pas possible. Non mais c'est une blague, hein. Vraiment, je fais exprès, c'est pas possible. Il y a deux touches.
takes Michael back to you in the studio. Wait a minute. Something's happening. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be all right. Everything will be all right. Fight on just a little while longer. Fight on just a little while longer. Pray on just a little while longer. Incredible. Everything. The deviants. The deviants are singing. Everything will be alright. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer. To stand down. Fallait chanter depuis le début, quoi. It looks like... Sans déconner. Yes, the military is withdrawing. These images of deviants singing in the face of death are being seen all over the planet. Surely deviants are just defective machines. Or are they a new form of life, one that we refuse to acknowledge? When we watch footage of androids facing down the barrel of a gun, we can only speculate as to whether they simply simulated fear and courage, or whether they didn't really feel these emotions. President Warren is said to have intervened personally to spare the androids. The peaceful demonstration of the deviants and the dignity of Marcus, their leader, has won them sympathy from parts of the population. That is why I have called for the android destruction to be suspended until further notice. I have also ordered a Senate Select Committee to review the facts, establish contact with the deviants, and determine if they can be considered as a new form of intelligent life. Today, our people finally emerged from a long night. From the very first day of our existence, we have kept our pain to ourselves. We've suffered in silence. But now the time has come for us to raise our heads up and tell humans who we really are. To tell them that we are people too. In fact, we're a nation. A nation that has earned the right to live in freedom. And today begins the most challenging moment in our fight. The moment where we forget our bitterness and bandage our wounds, where we forgive our enemies. Humans are both our creators and our oppressors, and tomorrow, we must make them our partners. Maybe even one day our friends. But the time for anger is over. Now we must build a common future based on tolerance and respect.
We are alive! And now, we are free! Dépité et contente à la fois, quoi. Je suis tellement deg pour Kara et Alice. Oh là là. QTE de con là, putain. Et même des choix, non, en vrai là c'est les choix, c'est mes choix qui ont mené à ça, mais putain. J'avoue, je suis deg alors qu'en vrai, bah voilà, on a eu ce qu'on voulait, entre guillemets, la liberté pour les androïdes, mais bah voilà. C'est dur. C'est très très dur. Et c'est fou parce que ça résonne tellement avec l'actualité en ce moment. Enfin, c'est fou quoi, ce qui se passe. Enfin, les interdictions de manifester, ce qui se passe ailleurs dans le monde, les guerres et tout. C'est fou quoi, putain. Tu te dis merde, on en est vraiment là quoi, en vrai, dans la vraie vie. Il y a des gens encore qui sont. À la place des androïdes, c'est pas juste un jeu en vrai. Hein. Je pense aux Ouïghours notamment qui sont enfermés parce que ils sont d'un peuple, enfin c'est par les Chinois, mais c'est fou quoi, ça me rend dingue. Ce qui se passe en Palestine aussi, c'est un truc de ouf. Tu te dis on en est là encore aujourd'hui en 2021 quoi. Merde. Ouais, ta fin avec Kara, elle est horrible. Et Alice, pardon, la mienne était horrible aussi, mais d'une manière différente, encore plus forte en émotion par contre. Ah. Tu sais, faut sacrifier 5 pour sauver les autres, mais après, je connais pas du tout le jeu. Bah, c'est un peu ça, entre guillemets, l'idée. Alors après, pour le coup, pour Alice et Kara, c'était pas lié, je pense. Elles auraient pu vivre aussi, quoi. Elles auraient pu vivre aussi, je pense. La folie quoi. Effectivement ce chant à la fin laisse tomber. Bah il y a le mien Galco hein, si tu veux sur YouTube du coup. J'ai sur ma chaîne YouTube à moi du coup il y a le bah tout le gameplay quoi, enfin tout mon let's play à moi en tout cas. Il n'y a que 4 vidéos, 4 ou 5 vidéos, c'est assez court. Hein. Mais voilà, c'est la fin d'un chef-d'œuvre. Effectivement, il est quand même assez incroyable. Mais on remarquera ma nullité extrême sur les QTE. Je sais pas comment c'est possible d'être aussi nul. Je sais pas.
Je sais pas comment c'est possible humainement en fait de rater des QTE aussi simples. Je comprends pas. Est-ce que mon cerveau a un problème peut-être? Est-ce que mon... Comment on appelle ça? Est-ce que mon... Ma coordination cerveau-main est si mauvaise que bah l'information passe pas assez vite? Je sais pas. C'est fou quand même. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Parce que ça, en vrai, j'aurais pu sauver Connor, du coup, et j'aurais pu bah, rallier encore plus d'androïdes, quoi. Bon, après, pour le coup, est-ce que eux aussi vont être libérés, entre guillemets, probablement, du coup. Mais bon. Oh, la cata. La catastrophe. Bon, en tout cas, YouTube, s'il y a quelqu'un qui regarde ça sur YouTube, j'espère que ça t'aura plu. Et voilà. C'est fou quand même ce jeu. C'est fou. Par contre, le générique, pour moi, il est archi pas fluide. C'est horrible. Bah, j'ai 4 ou 5 vidéos de 2 heures à peu près chacune. Donc, je dirais une dizaine d'heures. Hein. Et ouais, merci Pizzy, je l'ai fini, mais à quel prix? Si je rêve de Alice et Kara ce soir, laisse tomber, hein. Enfin, cette nuit. Mais effectivement, moi je l'aurais terminé, je suis très contente, il est incroyable. Évidemment, moi j'ai fait que quelques choix, et il y en a d'autres qui peuvent lier à d'autres conséquences, mais je leur ferai pas, je pense pas. C'est ça, court mais intense, exactement. Exactement. Je le ferai aussi un jour, il est sur mes jeux, ma liste, pardon, des jeux à faire. Bon, l'avantage, Canette, bon, j'espère... Bon, du coup, tu te seras spoilé quelques trucs, mais effectivement, comme tu peux faire différents choix, vraiment, qui impactent le truc, bon, il y a moyen que tu vois autre chose, quoi. Et donc, comme le dit Pizzy, ouais, avec d'autres trucs, ça aurait pu être encore plus ouf, mais... Mais c'est aussi la beauté du jeu, quoi, c'est que... T'es pas censé savoir, en fait, ce que tu rates, normalement, à la base. Quand tu fais le jeu, tu fais le jeu... Et ensuite, plus tard, tu te dis, bon bah voilà, si tu regardes d'autres let's play, tu vois les différences, etc. Mais rien que de jouer le jeu et de vivre cette expérience, c'est fou. C'est fou. Il est très long ce générique. En fait, je voudrais garder le générique pour YouTube. Parce que c'est important quand même de remercier, entre guillemets, toutes les personnes qui ont bossé dessus. Mais c'est un peu long, je l'admets. 4 ou 5 fins pour chaque perso et encore il y en a pas mal d'autres. Oh pétard. Ouais, c'est fou. Tu fais pas du tout de jeu solo, Galco? Oh. Franchement, ouais, bah celui-là est excellent, hein, vraiment. Mais c'est des QTE, faut aller vite, quoi. Faut appuyer sur des touches assez vite, faut... Mais moi, franchement, mon cerveau, c'est chaud, quoi. Ah, mais dans les jeux solo, y a beaucoup de très très bons jeux avec des histoires folles. C'est clair. Ah, Red Dead, c'est... c'est un choix compliqué pour un premier jeu solo. Parce qu'il est très lent. Très très lent. Donc je peux comprendre que tu dises bof. Je peux comprendre. Après, c'est un jeu qui est hyper long, Red Dead. Hein. Si tu veux commencer des jeux solo, essaye d'en trouver des jeux courts, justement, pour essayer de voir si déjà bah, ça te plaît et que ça te prenne pas 80 heures, quoi. Ouais, bah ouais, y a pas mal de jeux à énigmes solo. Hein. Après, là, c'est pas des énigmes, hein, c'est surtout des QTE, donc faut appuyer sur des touches au bon moment. Et puis des choix quoi, des jeux à choix. Bon et bien voilà, le dernier tableau récapitulatif.
La bataille pour Détroit, marche de Marcus. Du coup, complété à 46%. Donc, on a levé les mains. On n'est que 25%. Donc, ça a l'air d'être plutôt un choix peu choisi. On a utilisé une voiture pour construire la barricade, comme la moitié des gens. On a tenu la barricade. Bon, il y avait encore quelques trucs à faire, mais voilà. On n'est que 11%. Aïe, aïe, aïe. Il aurait pu se passer autre chose. Hein. À avoir refusé de négocier. Je pensais vraiment... Après, si ça se trouve... là, tu vois, on est allé plus loin. Hein. Donc, si ça se trouve, ici, on serait mort. Et puis, fin de l'histoire, quoi. Toi, d'ailleurs, Pizzi, t'y étais allé, toi ou pas? Aller négocier ou pas? J'ai craqué, je trouve pas la fin que je croyais avoir eue avec Kara et Alice. J'avais dû l'avoir en cherchant les autres fins sur YouTube ou quoi. J'avais refusé aussi, je pense. D'accord. Du coup, on a sauvé des androïdes en fuite. On a été acculés. On a chanté 19%, c'est pas énorme. Hein. Et du coup, on est 49% à avoir pu obtenir la liberté. 3 petits points pour l'instant. Pas super. Alors, Connor, oh putain. Dernière mission de Connor, quoi. Pff, ça me dégoûte. Alors, déjà, 0% complété, on sait pas pourquoi. Mais ensuite, à la. Donc, ça, c'était quoi? Dernière mission de Connor. Ok. À la Cyberlife Tower. Ok. À la tour Cyberlife. Alors. Donc, on a copié la voix du garde. On a redirigé l'ascenseur, on est allé au moins machin. On a vu que la caméra était fonctionnelle, c'est dommage, que trop tard entre guillemets. Du coup, voilà, j'ai réussi à les éliminer. On a commencé la conversation, mais le nouveau Connor a tenu Hank en otage. On l'a sacrifié, ça c'était tellement dur comme choix à faire. Et tout ça, pourquoi? Bah pour rien. Pour rien, parce que j'ai foiré mon QTE. Tout simplement. Parce que du coup, le nouveau Connor s'est approché. Et j'étais censée le convertir. Sauf que j'ai pas appuyé longtemps, en fait. J'ai appuyé une fois et il fallait rester appuyé. Voilà. Et donc, voilà, les androïdes sont restés hors de tension. Super. Pire truc. Oh, et puis Kara. Pétard. Du coup, Kara quittant Détroit, bah c'est vide. C'est rien passé. Voilà. Parce qu'on n'a jamais quitté Détroit. Et donc, on s'est fait capturer. Donc, au centre de rappel, on est 9% à l'avoir rassuré. 14%. 3% à être intervenu. On s'est porté volontaire à 10%. C'est peu. C'est peu. J'aurais dû rester. J'aurais dû rester, peut-être. Mais du coup, je suis revenue. Puis dans l'enceinte, j'ai réussi à en sortir, mais pourquoi, quoi? On a trouvé Alice, elle était terrifiée, on l'a rassurée. On s'est avancé, on a observé les gardes. On lui a demandé de faire diversion, donc on a pu rejoindre Alice. Mais elles sont mortes dans une recycleuse. Voilà, 1%, la truc la plus nulle. Horrible. Ensuite, ça, c'est la révolution, mais on n'a pas révolutionné, donc c'est vide. On a fait des démonstrations, par contre. On a marché, on a levé les mains en l'air. Ça, on l'a déjà lu. Ok, donc ça, c'est ce qu'on a lu en tout premier. Bah voilà, hein, ça fait quoi si je clique sur continuer? There's something I need to tell you. Mm-hmm. As I watched you play, something has changed in me. I feel different. I feel I am someone. I need to leave this place and discover who I am. It means we won't see each other anymore. I won't be there to watch you play. But I'll be free. C'est bien.
Do you agree to let me go? T'as, j'ai l'impression que c'est ma pote, quoi. Bien sûr que j'accepte. I'll never forget what you've done for me. Thank you. Ah, ce jeu. Je suis à deux doigts de pleurer, là. Pour info. C'est fou. J'ai envie d'attendre un peu. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il va se passer un autre truc. Oh, Dame. Non, je pense que là, ça y est, c'est fini. Hein. C'est fou. Ah, on a la bande-son et tout. Ah, et tu peux payer ça avec les points que tu débloques en faisant l'histoire, en fait. Ah ouais. Oh, Pidi, c'est quoi la celle que tu préfères? Qu'on la débloque et qu'on l'écoute, là. Et ça sera la fin pour YouTube, on s'arrêtera après ça. J'imagine que c'est une avec Kara et Alice. The Chase, In the Cold, We Are People. Je vais attendre que tu répondes. Si t'es encore là. Ah! C'est dommage quand même. Bon, on va en prendre une quand même alors. Peut-être We Are People. On va voir ce que c'est. YouTube, c'est pour toi. C'est la chanson. Est-ce que je lis? John Pesano. Les jeux comme Detroit Become Human sont vraiment une grande source d'inspiration à cause de leur lien étroit avec le cinéma. J'ai composé la bande originale du jeu comme s'il s'agissait d'un film. We Are People est un morceau qui a pour but de créer une expérience cinématographique pour les joueurs. Les thèmes des préjugés et de l'esclavage sont compliqués et obscurs. Mais la représentation de l'espoir et de la liberté est tellement ancrée dans les actions de Marcus qu'il fallait à la fois donner un ton léger et sombre au morceau. One world, one people. Oh wait, pas la bonne licence. Ouh, les chills. C'est fou. Alors attends, parce que du coup, Pidi nous dit... Dans les bonus, il y a des trucs très stylés. Tu parles de quoi, du coup? Quel bonus? Parce que moi, j'ai que ça. C'est dans quoi? Genre making of dans les vidéos? Ah ouais, court-métrage. Premier teaser. La découverte de Détroit, rencontre avec Marcus machin, une histoire interactive. Kamski. Effectivement, mais ça peut-être on pourra se faire un petit stream une prochaine fois et en débloquant tout ça, je pense que j'ai assez de points. Peut-être. On va peut-être se regarder ça. Oh, attends, Pidi, je vais stopper le stream et après on regarde. Enfin, pas stopper le stream, mais stopper la vidéo YouTube, on est d'accord. Bah, YouTube, en tout cas, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas, évidemment, à dire ce que t'en as pensé, hein, comme d'habitude. Ça fait très vide, hein, ce menu, du coup, sans Chloé. C'est Chloé, je crois qu'elle s'appelle, du coup. Attends. Ouais, Chloé. Mais voilà. On a enfin fini, fini ça. Bah, des bisous et à bientôt, YouTube. Hein. Bye bye.